Est-ce que vous comptez fermer les plages? Oui, bien sûr. Martha's Vineyard, été 1974. Chère société protectrice des animaux, je me présente requin blanc mécanique en polyuréthane et star de cinéma. Les dents de la mer, c'est moi. Mais vous pouvez m'appeler Bruce. C'est le surnom ridicule que tout le monde me donne ici sur le tournage. Aucun respect. J'ai beau avoir le premier rôle et mesurer 8 mètres, à faire passer un vrai squale pour de la petite friture, personne ne me prend au sérieux. Et surtout pas Steven Spielberg, le réalisateur, un gamin de 28 ans, soi-disant surdoué, juste parce qu'il a réussi deux films, Sugarland Express et Duel. Surdoué, tu parles. Pas plus tard qu'hier, il a fait savoir que j'étais trop mou. Moi, vous vous rendez compte? On tournait ma grande scène. Terrifiant, grandiose, mais pas assez pour ce freluquet, soi-disant que je bondis comme un flan. Que mon moteur a dératé et que je fais beaucoup plus peur quand on ne me voit pas. Suggérer plutôt que montrer. Il paraît que c'était la méthode d'Alfred Hitchcock. Peut-être, mais lui au moins, quand tout allait de travers, il n'accusait pas les oiseaux. Alors qu'ici, tout est toujours de ma faute. Qu'est-ce que j'y peux, moi, si Robert Mattel, le type qui m'a fabriqué, n'arrivait pas à me faire fonctionner? Ma première version a fini au fond de l'eau, et tout le monde m'accuse de saboter le film. Alors oui, je suis fragile, oui, je supporte moins bien l'eau de mer que mes congénères biologiques, oui, ce tournage est un enfer flottant. Mais dites-moi si je suis responsable des dépassements de budget, des intempéries, de l'hostilité des résidents, de la très chic station balnéaire, ou encore des tensions au sein de l'équipe? Richard Dreyfuss et Bernard Shaw, deux de mes partenaires humains, ont même osé dire publiquement en interview qu'ils jouaient, je cite, « la dope de l'année ». Et l'autre jour, j'ai entendu des techniciens rêver tout haut de le noyer. Juste un petit peu, pour lui faire peur. Parce que les gens sont fatigués de son perfectionnisme, épuisés par l'allongement des délais et l'accumulation des problèmes. Bref, cette plaisanterie dure depuis plus de 5 mois et j'en ai râlé le rond. Encore un incident, et je démissionne. Qu'il se débrouille, avec de vrais requins, des dangers publics impossibles à dresser. On verra si c'est plus facile. En un clin d'œil, les requins corail peuvent passer du calme plat au comble de l'excitation. La seule fois où ils ont essayé, avec une doublure de Richard Dreyfuss, enfermé dans une cage, le pauvre type avait été choisi pour sa petite taille, pour que la bête qui l'attaquait ait l'air aussi grosse que moi. Résultat, le malheureux a pris un coup de queue et il a failli mourir de peur. Espérons au moins que je ferai le même effet aux spectateurs. Sinon, ma carrière est à l'eau. L'idée du mal que l'homme se fait en imagination n'approche en rien la réalité que montrent les dents de la mer. Le film à voir avant d'aller vous baigner.